بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر القربات. Qu'Allah Azza wa Jal nous accrée nos bonnes actions que nous effectuons pendant ce mois béni de Ramadan, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il fasse qu'on sorte de ce mois de Ramadan en ayant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément, et que tous nos péchés soient expiés par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début de ce mois, je vous disais qu'on rentrait dans un mois de patience, d'endurance et de persévérance, et que c'est une école où on apprend ses valeurs, ses qualités, la patience, l'endurance, la persévérance. Et oui, car Allah subhanahu wa ta'ala dira en ce mois béni de Ramadan, il nous appelle à s'abstenir des choses essentielles pour la vie, des choses dont la vie s'appuie sur ça pour que assurer sa continuité. Sans qu'on mange, qu'on boive, sans avoir des rapports charnels, eh bien, la vie va s'arrêter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pendant ce mois béni de Ramadan qu'on s'abstienne partiellement de ces choses qui assurent la continuité de la vie. Une personne qui ne mange pas est voué à la mort. Si il n'y a pas de rapport charnel, eh bien, il n'y a pas de continuité de la vie. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de s'abstenir de ces choses-là dont la vie a besoin pour que sa continuité soit assurée. Cela, on peut y arriver avec une grande patience. Et alhamdulillah, nous y arrivons tous les ans. Nous restons un mois entier. Qu'on soit en été ou en hiver, sans manger, sans boire, sans avoir de rapport charnel durant les journées du mois de Ramadan. Peut-être pour certains, c'est normal, c'est facile, mais croyez-moi que ce n'est pas aussi facile que ça. Et alhamdulillah, nous répondons à cet appel divin, nous respectons ces recommandations, on ne boit pas, on ne mange pas pendant les journées du mois de Ramadan, sauf les personnes qui sont malades ou qui ont de la dérogation, alhamdulillah. Et donc, si on arrive à surmonter ces défis avec patience, endurance et persévérance, malgré que parfois les journées sont très longues, on vient de passer des journées du mois de Ramadan, du mois d'août, mois de juillet, qui sont tellement longues, des journées, alhamdulillah, on a toujours été patient, endurant et persévérant. Donc, ce que je veux dire, si on arrive à patienter, c'est ces choses-là dont on a dit que la vie s'appuie sur ça pour assurer sa continuité, ça veut dire qu'on peut aussi patienter
et sans passer des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdites. Mais aussi, alors que chacun d'entre nous est éprouvé individuellement, mais parfois même collectivement, comme ce que nous vivons actuellement, une épreuve mondiale, parce que les savants, et en tout cas musulmans, s'accordent aujourd'hui qu'on vit une épreuve. On ne va pas dire c'est un châtiment, mais une épreuve. Et qui dit une épreuve attend un résultat. Quand on passe des épreuves de bac ou nos examens, ainsi de suite, il y a derrière un résultat. On attend, c'est Yannis, c'est tout simplement pour juger une valeur, voir c'est quoi le résultat qui y aura après. Donc actuellement, on est éprouvé mondialement, mais aussi chacun d'entre nous est éprouvé. Parfois, quand on parle de preuves, directement, nous pensons au mal. Mais ce n'est pas les enseignements du Coran. Le Coran al-Karim nous dit: "Bada'ouz billahi minash shaitan ar-rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitnatan wa ilayna turja'un." Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset: toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous ferez retour. Donc on voit que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les épreuves ne sont pas seulement les mal que nous subissons, mais aussi les biens que nous avons. C'est une preuve. Et c'est dans ce sens-là, peut-être, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ajaban, ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le croyant a une destinée étonnante. Une destinée étonnante. Pourquoi? Tout ce qui lui advient est bénéfique, qu'il soit mal ou un bien. Et cela n'est réservé qu'aux croyants. Il va dans les explications, alayhi salatu wassalam, il dit: s'il est l'objet d'un événement heureux, eh bien, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, pour lui, une bonne chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: la'in shakartum la'azidannakum. Si vous remerciez, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va vous augmenter encore davantage. Et donc, il a un événement heureux, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement il est récompensé, mais Allah subhanahu wa ta'ala va accroître encore son bien. Et si les victimes, le croyant, des malheurs, en ce moment, il endure avec patience. Et c'est là encore pour lui une bonne chose. Quand un mal le touche, il patiente, il endure. Et là, la récompense qu'il y a, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: tellement que la récompense de la patience, si la patience est faite convenablement, comme il le faut. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: as-sabr 'inda as-sadmati al-ula. La patience, c'est quand encore l'événement est frais. C'est pas quand on a désespéré, en ce moment on dit qu'on va patienter. Donc, s'il patiente dès le départ de l'épreuve, eh bien, regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette récompense.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Yani Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle, il nous dit sans compter. Donc on ne peut pas dire c'est 100 000, 1 million, sans compter. Et là c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous promet cela. Donc la patience, voilà l'état du croyant. Qu'il est malheureux ou bienheureux, il est toujours gagnant s'il profite de cet malheur ou de cet événement de bienfait, il peut toujours être gagnant dans sa vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Parlons toujours des épreuves, vu qu'on vit pleinement des épreuves actuellement. Mais cette fois-ci, je voulais dire les épreuves que chacun d'entre nous est éprouvé individuellement. Il y en a certains d'entre nous qui sont éprouvés par la pauvreté, par une maladie, par le fait que la personne est nerveuse, ou que yani, chacun d'entre nous a dans sa vie une épreuve où Allah subhanahu wa ta'ala le teste et le donne la responsabilité de corriger cette faute qu'il a, car on a tous des défauts. Et ces défauts qu'on a, comme je l'ai dit, c'est des épreuves que chacun d'entre nous doit essayer de surmonter avec courage et patience. Si par exemple un d'entre nous est éprouvé par la colère excessive, par exemple, en sachant qu'actuellement nous vivons dans un confinement, parfois dans des appartements très serrés, on a des enfants, et on rajoute en cela, on jeûne les journées, il y a la famine. Donc, si on regroupe tout cela, et puis la personne est nerveuse, donc l'épreuve, elle est immense. Si la personne veut sortir gagnant dans cet événement, voilà ce qu'il lui faut. La patience, l'endurance, et essayer de sortir avec une récompense sans compter. C'est ce que je vous invite vivement, car actuellement, d'après les infos, les violences conjugales ou des choses comme ça se multiplient avec le confinement. Et nous, en tant que musulmans, on n'est pas épargnés. Nous vivons dans cette société. Donc, nous avons aussi notre part de cela. C'est pour cela. Je vous appelle, chers fidèles, ceux qui sont éprouvés par cela, de patienter, d'essayer de faire des efforts pour corriger cette faute qu'on a. On va tous se mettre en colère. Tout dépend comment on gère notre colère. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la responsabilité d'éduquer notre nafs. Et on a tous des désirs, parfois qui sont à l'encontre de recommandations divines. Donc, pour être en harmonie avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, alors qu'il nous dit: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
Pour celui qui a peur d'être devant Allah subhanahu wa ta'ala demain, au jour du jugement dernier, questionner, demander des comptes, c'est ce qu'il a fait dans cette vie ici-bas. Et il interdit son nafs, les désirs de son nafs qui sont à l'encontre de ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, son demeure sera où? Bi-idhnillahi ta'ala, le paradis. Donc, faisons cet effort pour éduquer notre nafs, pour qu'elle soit patiente, endurante et persévérante, inshallah ta'ala, durant ce mois, comme on a pu faire avec le manger, la boisson et les rapports charnels durant les journées du mois de Ramadan. On a pu patienter et pendant, yani, minimum 12 heures à 15 heures du temps, sans manger, boire et avoir des rapports charnels pendant un mois complet. Donc, c'est une chance qui nous est donnée pour qu'on puisse aussi travailler notre patience, travailler notre endurance, travailler notre persévérance et surtout, à la fin, qu'on ait une famille, qu'on vit dans une famille avec l'apaisement, avec la tranquillité comme l'a souhaité Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dans le Coran. Pour que vous ayez la sakine dans vos foyers, qu'il y ait l'amour, la tendresse entre les couples, entre dans les familles, dans nos foyers, inshallah ta'ala. J'espère que le message est passé et que chacun d'entre nous va faire des efforts sur ses défauts, patienter pour délaisser ces défauts-là. Comme il a pu patienter de ne pas manger et boire et avoir de l'apport charnel durant toute la journée du mois de Ramadan ou toutes les journées du mois de Ramadan, qu'on essaye de patienter aussi pour délaisser ces défauts qu'on a. Ainsi, on aura cette récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous promet dans le Coran al-Karim sans compter, bi-idhnillahi ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la patience, l'endurance et la persévérance. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وجعلها خالصة لوجهه الكريم وجعلنا من عباده المخلصين المخلصين إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.